Ça fait, je sais pas, une trentaine d'années que je rêve de faire ça. Donc il fallait bien que ça arrive un jour. Rio 2. Je vais me faire une joie de vous gâcher la fête. Ça ne marche que quand c'est moi qui le fais. D'accord, je t'aime. J'ai vu énormément de dessins animés, d'abord quand j'étais gosse, et ensuite parce que j'ai eu des enfants. Et donc on est allé voir tous les grands dessins animés, et je me suis toujours dit que j'aimerais faire la voix de un tel, une telle, pour pouvoir inventer plein de choses. Tu es le seul à savoir ce que ça fait d'être solitaire et incompris. Quand on m'a dit que c'était une grenouille venimeuse, j'ai pas eu besoin d'en savoir plus. Gabi. Enfin, un personnage à ma mesure. Elle peut à la fois être très cruelle, genre « Vas-y, fous-leur la pâtée !»« Tu es le mal, je suis fatale !» Et en même temps, être totalement amoureuse. « Je t'aime !» Et en même temps, se la jouer absolument. C'est un personnage absolument magnifique, très opératique, très mégalo, assez machiavélique. C'est un petit personnage qui a mille facettes comme ça, et c'est pour ça que c'est très intéressant de la jouer. Cette petite grenouille, finalement, c'est moi. D'accord. Tu es restée en l'air pendant presque une seconde. Ça s'est très bien passé et j'avais soudain l'impression que j'avais fait ça depuis toujours. Bravo. Je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Bravissimo. Je trouve ça super. J'ai toute la vie devant moi. Où est tout mon amour pour toi? Et je survivrai. Je survivrai. Je survivrai. On survivra. Au début, je ne savais pas qu'elle allait chanter. Et j'ai été agréablement surprise quand elle, non seulement elle devait chanter une chanson originale, et en plus avec une voix comme ça, c'est-à-dire une voix comme moi. Oh non, il l'a fait. Si t'essaies de me mettre à terre, j'en sortirai vainqueur. Si t'essaies de me faire taire, je mettrai mon haut-parleur. Si tu me bats au ping-pong, je deviendrai meilleur. Rends-moi mon trône, je suis prêt à régner. Une chose est sûre, je survivrai. C'est-à-dire que Rio 3, c'est l'histoire de Gabi. Donc voilà, ils ne sont pas encore prévenus à la Fox, mais voilà, c'est l'histoire de Gabi. Donc il va falloir développer, les gars. Ouais oh, oh. Serre les dents, mon gars. Tullio. Ça ne marche que quand c'est moi qui le fais. D'accord, je t'aime. Rio 2. Le 9 avril au cinéma, en 3D.